Donc, bonjour à tous, c'est Oframi, on se retrouve une nouvelle fois sur The Last of Us. Oula, The Last of Us, ça fait aucun sens. Oula, j'arrive pas à parler aujourd'hui. Donc, on s'était laissé après un début de patrouille avec Dina sur la route de la rivière. Et je sais, ça fait au moins 2 semaines, j'ai même pas compté, hein, ça fait au moins 2 semaines que vous avez eu aucune vidéo. Et je m'en excuse en fait. Mais inquiétez-vous pas, j'ai mes raisons. Entre autres, j'ai acheté une voiture. Et bah, ça fait mal au portefeuille, hein. Sans financement, ça fait super mal au portefeuille. Donc, j'ai une superbe Mitsubishi Eclipse 2012. Ceux qui veulent voir à quoi ça ressemble. De couleur argente, voilà. Donc, je suis heureux propriétaire d'un véhicule. Toujours pas de permis, ça c'est de la merde. Mais voilà, je devais sauter sur l'occasion et voilà, donc ça m'a pris bon quelques jours tout finaliser ça déjà. Maintenant, j'essaie de trouver un moment pour pouvoir la nettoyer. Ben, entre autres, le moteur, l'intérieur, tout ça. Donc voilà. Et ce chargement est méga trop long, les potes. Alors, Mordecai va, mais si c'est pas déjà fait, va bientôt tourner des vidéos, il va revenir en force. Et ça fait un petit moment qu'on le voit plus. Ben en fait, depuis le début du coronavirus. Mais il va revenir très bientôt, vous inquiétez pas. On a prévu des trucs, on devrait tourner des vidéos bientôt. Donc voilà. Ok, alors ça se peut que j'ai un blanc des touches. Il y a des spores. Il faut les masques. Ah oui, c'est vrai. Ok. Donc, je suis désolée si j'ai un blanc, si je me souviens bien. L1, c'est pour esquiver. Oublie pas. Mais Je veux voilà. pas te tirer une balle dans la tête. Ah, c'est mignon. Tch. Ok. Tous ces spores, ça veut dire qu'ils sont là depuis un moment. Fais gaffe, les infectés seront plus dangereux. Ouais. Je peux pas être affecté, sale conne. Je sais pas. Je crois qu'on est au-dessus. Faut qu'on aille au rez-de-chaussée. Je sais, j'ai le droit de fouiller, merde. Non mais oh. Tu prends pour qui, meuf? Ok. C'est quoi déjà la touche X? D'accord. Oh. Ça, c'est pas super. On peut aller du moins. Ok. Quoi? Green Place Market. Ok. Moi, je vais entrer là. J'ai fouillé plus possible en essayant de faire vite. Je peux faire l'oreille, non? Allez! Ça a marché. Donc si vous n'avez pas d'écouteurs, je sais pas si vous avez pu entendre, mais les clics étaient différents. Puis là, si je trouve le code, franchement, j'allais être dégoûtée. Hey Kristen, je t'ai laissé le meilleur cam dans le coffre.
Le code, c'est la date à laquelle mon chien est devenu employé du mois. Et t'as pas intérêt à le refourguer. C'est pour ton dos, ok? Prends soin de toi, Mina. Quoi? Ah, dommage. Je peux pas recharger, ok. Bon, mais tant pis. Je vais pas tirer 3 balles dans le vide non plus. Merci beaucoup. Ok, est-ce qu'il est vraiment aigri? Hein? 23-07. Ok. J'allais chialer il y a 32 secondes pour le fait qu'on doit appuyer sur X pour se faufiler. Mais en fait, c'est une bonne chose parce que je peux pas entrer dans des endroits sans faire exprès en fait. Donc c'est bien. Ça, je me souviens, ça m'était tellement arrivé sur The Last of Us. Sur The Last of Us, quand j'ai joué pour la première fois, ça m'arrivait tout le temps. X. Quoi? Ah, ça c'était dans un des trailers, j'ai vu. Un placard. Doucement, sale conne. Arrêtez de vous gueuler après, bordel. Ah, oh, c'est ça le cran d'arrêt. T'aurais pu dire le couteau, hein. Parce qu'elle est débile. Viens ici. Ces saloperies aveugles me donnent la chair de poule. Viens, on va voir si le reste du bâtiment est dégagé. Ensuite, on se casse de cet endroit. Ça, je suis d'accord. Ok. Bon, ben, je vais regarder s'il y a des trucs à ramasser. Mais vite comme ça, je dirais pas... Oh, ce mec, il m'a tellement foutu la chair de poule. Dans, voyons, Left Behind. Ellie, j'ai trouvé la porte. Moi aussi j'ai trouvé mes cheveux. Non. Oui, c'est bon. J'ai... Non. Par le bas. J'aime les cadeaux. Quoi? Ellie. Quoi? Oh! Tiens, merci. Un caractère malata. Oulala. Fais gaffe avec ça.
Je maîtrise. C'est pas fini. Toujours les commencer par les coureurs. C'est ceux-là hein, qui peuvent nous voir. Pas les côtes. Ah. Allez, viens ici. Pitaven. Pilote aussi là-bas. Je sais. Les coureurs d'abord. Parce que si j'essaie de me faire un claqueur, puis l'autre me scotte, c'est fini. Pas moi de toute façon. Salut. C'est bon.
Ah, non. Je l'entends pas claquer. Oh, mais... Ok. C'est pas un gros problème. Allez, hop. Tu dégages. C'est bon? Il en reste? Non. Tu sais quoi? On est impressionnants. Ouais. Ils vont pas nous croire quand on leur donnera notre score. Allez. On va au prochain poste de guet. Et on fait une pause. On l'a bien mérité. D'accord. Une sortie. Le toit. Si tu veux sortir par le toit, y a pas de souci, ma meuf. Ah, sinon y a une porte là. Rien là. Bon, ouais, ok. Allez. Ça bouge pas. Ah bah. C'est facile. Il suffit que tu me lances à travers ce trou dans le toit. Ok. Il y a un câble. Voilà, c'est bon. Ça devrait tenir. C'est bon. J'y vais. Fais gaffe en arrivant. Il y a du vent. Un petit vent qui va me niquer la gueule, hein. Par ici. La tempête approche, là. On est loin du poste de guet. C'est juste après la prochaine ville. Je te suis. Tu viens de demander, bordel. Il est loin, c'est juste après la ville. Ok. Hey, c'est encore loin? Non, mais tu te prends pour qui? Tu te prends pour l'âme dans Shrek ou merde? Non, mais où? Si elle le redemande... C'est de pire en pire. On fait demi-tour. C'est trop tard maintenant. On y est prêt. Oh là là. Je sais, ma belle. Dina, c'est encore loin. Non mais ferme ta gueule pour vrai. Bah et où Dina? Dina! Dina, t'es où? Elle a pu m'attendre au moins. Dina! Ellie! T'es où?
Ah. Oh, super. Allez, c'est par là. Où est-ce qu'on va? Fais-moi confiance. Bah, si tu te décalissais pas à chaque 3 secondes... Pas à l'intérieur. Et puis, hop, c'est un piège. Je m'occupe de la porte. T'es déjà venu? Je suis passé devant. Sans entrer. Bon, on va s'assurer qu'il n'y a personne. Y a pas de truc, y a rien. C'est trop dur, salope. Ok, cool. Faut que j'aille voir ce qu'il y a derrière. Quelqu'un a tout verrouillé. Il y a un truc au fond. Je crois qu'il y a un lit. Tu penses que c'est un squatter? Tu vois un moyen d'entrer? Une fenêtre, ça se verrouille pas. Ah. C'est quoi tout ça? Tous ces trucs électroniques, c'est forcément à Eugène. T'es sûr? Ouais, personne d'autre s'amuserait à bidouiller tout ça. Mais pourquoi il me l'a pas dit? Ok. Ouais, c'est bien la planque de gêne. Il faisait partie des Lucioles. Oh. Ouais, avec Tommy. Je savais pas. Ouais. Ils ont fait des trucs assez moches. Du genre. Oui. Il a dit qu'il avait fait sauter un poste de contrôle dans une ZQ de Denver. 3 soldats sont morts. Et 2 civils. Bordel. Il m'a dit aussi que lui et Tommy avaient torturé un général de la Fedra. Je sais pas, j'ai du mal à imaginer Tommy faire tout ça. Il a fait pire. Comment ça? Lui et Joël ont fait pas mal de trucs pour survivre après l'épidémie. Oh, ok. C'est quoi? Oh. D'accord. Une vieille PlayStation 3. Avec quel jeu? Uncharted 2. Jack et Daxter. Et Naughty Dog.
Eugène, je t'en supplie, rentre à la maison. Si les Lucioles veulent sauver le monde, elle bien laisse-les faire. Famille pour rejoindre les Lucioles. C'est triste. Laisse-les s'attaquer à l'armée et aux politiciens. Laisse-les mettre au point un vaccin pour sauver l'humanité. Qui sait, elles réussiront peut-être un jour. En attendant, tu dois d'abord penser à ta fille. Oh non. La lumière, les radiateurs. Il doit forcément y avoir un générateur dans le coin, c'est sûr. Les Lucioles s'en sortiront sans toi, mais pas elles. Elle n'arrête pas de demander quand tu vas rentrer. Je n'ai plus la force de lui mentir. Tu me manques, mais je ne sais pas combien de temps je vais encore tenir. Rentre à la maison, s'il te plaît. On t'aime. Claire. Oh non. Ok. Trouver le générateur. Eh ben, c'est facile. Suivre les filles. Hein. Hey, j'ai trouvé le générateur. Ok. Ah, je préfère ça. Oh, waouh. Il est pas mal, ton établi, Eugène. Je parie que tu peux modifier ton arme avec ça. Ben, je parie que moi aussi. Ok. Mais je préfère le pistolet de toute façon. Oh! Ça va le faire. C'est du beau boulot. Coucou, toi. Et coucou. Ellie, regarde par terre. Ouais. Il y a d'autres trucs en bas. Tu vois un moyen de descendre? C'est le pire plancher que j'ai jamais vu de ma vie, hein. Pas ici. Par où? Ah. Aide-moi. Qu'est-ce qu'il cachait en bas? C'est forcément un donjon SM. C'est pour ça qu'il t'en a pas parlé. Franchement, j'espère pour lui que c'est un donjon SM. Il était tellement seul. Rien d'autre d'intéressant à première vue. De la weed! C'est de la weed. Oh, pour vrai? Ça fait beaucoup de weed séchée. Ça explique pas mal de choses. Je pensais pas que c'était vraiment de la weed. Oh non. Alors, au Canada, c'est illégal. Oh! Un bang? Dina, c'est un bang masque à gaz. Oh, il était vraiment pas con. C'est quoi? Des bougies? C'est quoi? Ah, c'est des joints. Oh, intéressant. Tu crois qu'elle est bonne? Ça périme, la weed? On va voir.
Un coup de main? Non, c'est bon. Oh putain. Donne-moi ça. Quoi? Tu crois que tu peux faire mieux? Ah, j'avoue. C'est... Ouais. Ah, et merde. C'est une idée. Qu'est-ce qui tourne pas rond chez toi? Bah quoi? Je l'ai ouvert. Ça sent bon. Tu sais, on va rester coincé un moment. On est pris au piège. Je peux te poser une question? C'est pas ce que tu viens de faire? Sur une échelle de 1 à 10. 1 étant complètement nul à chier. Et 10 étant... à couper le souffle. Quelle note tu donnerais à notre baiser d'hier soir? Elle est pas sérieuse. Pourquoi tu veux revenir là-dessus? T'as dit que c'était une erreur? Moi, j'ai dit ça? À quoi tu joues? Je te demande juste de noter ce baiser. Je sais pas. Moi, je dirais 6. Un 6? 6, c'est déjà pas mal. Ok. Il y avait du monde autour de nous. Ouais, mais 6. Bah, quoi? J'ai vraiment envie d'entendre ta note maintenant. Je crois pas, non. T'es chiante, tu sais. Oui. C'est toi qui dis ça? Tu me donnes envie de retourner en plein blizzard. Personne t'en empêche. Oh, Frenchy, vous, ta barbare, qu'on a fait. T'as intérêt à faire mieux que 6. Et demi. Ah, ok. Ok. Bon, ben, on va s'arrêter ici. Ouais, je vais avoir la note, mais c'est pas grave. Moi, je dis 6 et demi, d'accord? Alors, sur ce... Pardon? Donc, sur ce, prenez soin de vous, de votre famille, de vos amis et surtout de votre santé. Et puis, d'ici le prochain épisode, moi je vous dis ciao ciao!